Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous parler d'un manga que j'ai découvert lors de ma venue au salon du Paris Manga. Il s'agit de Blitz et j'ai eu l'opportunité de rencontrer l'auteur. C'est un français, il se nomme Cédric Bisquet et j'ai pu acquérir les deux premiers tomes. Alors déjà dans un premier temps, on peut regarder les couvertures. Je trouve qu'il y a vraiment une très belle patte graphique. Les illustrations sont vraiment très très chouettes et l'illustrateur se nomme Daitaro Nishihara. Je trouve que c'est vraiment très très propre. Il en va de même à l'intérieur du manga, franchement... Regardez-moi ça, oh là 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 là, franchement incroyable, il y a vraiment une très très belle patte graphique. Alors, ça tourne autour des échecs comme vous pouvez le constater, mais moi je ne suis absolument pas un joueur d'échecs. Mais pour le coup, je suis resté tout de même scotché. En fait, il y a une très bonne écriture dans ce manga qui ne me laisse pas indifférent. On va suivre l'aventure du héros Azuki Tom, qui est un ado en échec scolaire et qui tombe amoureux d'une fille nommée Harmony. Celle-ci fait partie d'un club d'échecs et de plus est vraiment très douée dans ce milieu. Tom décide de tout faire pour parvenir à rejoindre ce club afin de pouvoir draguer Harmony. Seulement, il y a un problème. Tom ne sait pas jouer aux échecs, un petit peu comme moi. Et bien, ce qui va être intéressant, c'est que dans ce manga, vous allez apprendre à jouer aux échecs, et ça pour le coup c'est plutôt pas mal. Tom pourra également compter sur l'aide de Jean-Marc, un patron de restaurant qui connaît ce sport cérébral. Ils font la rencontre d'un antiquaire qui offre un objet nommé Kaisa, ressemblant à des lunettes VR qui contient des données cérébrales des joueurs, dont l'un des plus grands champions nommé Garry Kasparov. En utilisant ce fameux Kaisa, un orage éclate et le détruit pendant que Tom l'utilisait. Il se retrouve avec une grande faculté développée pour les échecs. Et du coup c'est comme s'il se retrouvait dans la peau du champion Garry Kasparov, et je trouve que c'est super bien retranscrit dans le manga. C'est comme si qu'il avait obtenu la faculté cérébrale de ce grand joueur. Et pour le coup, il ne s'agit pas juste de bouger des pions au sein même de ce manga. C'est pas juste des cases où tu vas bouger des pions. Non, forcément tu vois les pions, mais Tom, le héros, va s'imaginer des grandes batailles, d'accord? Il va pouvoir se mettre dans la peau d'un chevalier. Et d'ailleurs, il y a même un petit clin d'œil à Berserk avec le fameux Guts, etc. Donc voilà, ça donne tout simplement du peps, voilà, une dynamique supplémentaire au manga en voyant des batailles à travers des simples pions qui bougent. Et bien derrière, vous imaginez toute une grande bataille décrite dans les cases de ce manga. Et bien, je suis conquis et maintenant je sais jouer aux échecs à travers ce manga, c'est plutôt cool. Et merci également pour la dédicace, voilà, Cédric Bisquet qui a marqué pour Sofiane, le boss du manga game. Merci beaucoup pour la dédicace et pareil de l'autre côté sur le deuxième tome, il m'a marqué pour Sofiane, le Goku du mat. Échec et mat. Voilà, franchement, très très bonne découverte. Blitz, les amis, je vous le conseille. Surtout, en plus, voilà, si vous êtes fan d'échecs, c'est pour vous, clairement. Allez, let's go maintenant. On va passer à la vidéo du jour. Yeah! Yo tout le monde, c'est Fanny Geek. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en invocation sur le Step Up Limit Break. Un Step Up qui permet de récupérer de nombreux PZ. Voilà, pour seulement 3000 cristaux, vous obtenez des PZ pour vos personnages de Sparking. Mais également, au dernier palier, 600 multi PZ Legends Limited pour les personnages Legendary Finish. Donc là, c'est intéressant. Et en plus de ça, si on a un petit peu de chance, on peut choper des personnages LF dans ce step up. Alors attention, le top drop par contre c'est pas oufissime, mais on va tenter. On va tenter les amis. Et de plus, ce n'est pas tout, j'ai également des tickets, dont des tickets sur le Legends All Star de Piccolo et Goku. Et là, masterclass, 6 tickets pour espérer obtenir pourquoi pas des doublons sur le sel LF, tu vois. Après tu me donnes également, voilà, du Gata Isamasu LF, etc. Je prends, on rappellera que dedans, sur ces tickets là, on a 5% de chance d'obtenir, eh bien, du doublon sur sel LF. Toshi, frérot, s'il te plaît, donne-moi du sel LF encore. J'ai dit que ton personnage était vraiment incroyable, il est vraiment très fort. Donc si on peut obtenir encore des doublons dessus, eh bien, c'est un grand oui. Mesdames et messieurs, j'ai envie. Bon, let's go les amis. On va tout donner sur ce palier numéro 1 jusqu'au dernier palier. Let's go les gars, 3, 2, 1... Les... Allez, c'est parti, on commence les invocations max de pouces bleus en mode Genkidama sur cette vidéo, comme d'habitude les amis. 5 capsules, ça commence pas trop mal. Pas des CJ, mais 5 capsules. On commence pas trop mal, ça commence pas trop mal. Bam, il prend le dessus. On rappelle, attention, le taux de drop est pas ouf. Glissé or, Sparking garantie. Glissé or, taux de drop est pas ouf pourtant. On prend, Broly ou pas? Broly ou pas? Il peut y avoir du LF.
pas de Broly, mais Sparking garantie. Je prends, mesdames et messieurs. Je prends. Très bien, fait plaisir. Ok, premier EX. Thales, Osef, Hiro, Osef, Mister Satanda. Ok, très bien. Goku, on s'en fout, on peut, ouais. Chaozu, on s'en fout. Alors, j'ai déjà 14 étoiles. Mais il est très bien. Gogeta, Transfo, SSJ, Zenkai, très très bien. Sauf que j'ai déjà 14 étoiles. Donc ça c'est moins bien. Mais au moins on a eu un Sparking. Bon, très bien. En vrai de vrai, pour une personne qui n'a pas 14 étoiles, il se met plutôt bien. Moi j'ai 14. Bon, on continue. 3, 2, 1. Yeah! Allez! Allez le jeu! Let's go! Fais plaisir. Une capsule, en fait, c'est-à-dire... Quand je te dis, fais plaisir le jeu. Pourquoi tu me donnes une capsule et en plus tu me déboîtes? Ah, en plus Freezer, il est en train de me déboîter la tête. Glisser bleu. Celle-là, les gars, je crois que celle-là, elle est flingax. Celle-là, elle est flinguée. Ouais, celle-là, ça va être flingué. Je crois que là, c'est limite du fou les rois. Là, ça sent pas bon. Clairement, ça sent pas bon. Bah, tu vois, là, ça va être fou les rois, là. Mais des fois, quand c'est fou les rois, celle d'après, elle est bien. Bah, tu vois, fou les rois. Celle d'après peut être bien. Celle d'après peut être vraiment très, très bien. Donc là, ok. 5 tirages consécutifs. 500 cristaux. Let's go. 3, 2, 1. Et yeah! Allez, c'est parti. Allez, s'il te plaît. Palier numéro 3, tu nous fais plaisir. Palier numéro 3, frérot, tu nous donnes un bon truc. Palier numéro 3, 3 capsules. C'est pas ça qu'on demande. On demande pas ça. 3 capsules, c'est pas ouf. Ça se neutralise. Xo! Allez. Alors je pense que là il y aura rien là. Là il y aura rien. À moins d'avoir un fake out. On peut avoir un fake out. EX. Célipa, c'est pas ouf. Franchement Célipa. Osef un petit peu de Célipa. Raditsu. Deuxième EX. C16. Ok. Et du coup, Raditsu encore. Bon, c'est pas dingue. Hein. Franchement, c'est pas dingue. Heureusement, je dis bien heureusement, on récupère les PZ. Parce que ces PZ vont me permettre, du coup, eh bien, de monter en étoile mes personnages. Voilà, je choisirai les personnages que je veux dans ma box pour les monter en étoile. Et ça, pour le coup, c'est plutôt intéressant. On va faire plus tard, je les garde, bien évidemment, pour le fameux Legends Festival qui aura lieu à partir du 23 novembre. Et d'ailleurs, on sera en live à 5h du matin sur ma chaîne YouTube le mardi 23 novembre pour découvrir les nouveaux personnages de cette grosse célébration de fin d'année qui est le Legend Festival sur Dragon Ball Legends. Active la cloche, abonne-toi également si c'est pas déjà fait, frérot. Sois avec nous, frérot. Allez, let's go. 3, 2, 1. Yeah! Allez, palier numéro 4. Fais plaisir, fais plaisir, fais plaisir, fais plaisir. 5 capsules, c'est pas mal. SSJ, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal. Ça se neutralise. Glisser hors, Sparking garantie. Sparking garantie. J'aimerais trop voir arriver la tête à Broly. S'il y a Broly, c'est LF garanti. Let's go. Il n'y a pas Broly. Mais au moins, il le défonce. Il y a un Sparking garanti. Et même s'il n'y a pas Broly, on peut quand même espérer du LF. Tiens. Mai. Bon, je vais prendre. En vérité, Mai, elle a une bonne cape Z, etc. Vas-y, pourquoi pas, on prend. Après, bon. Voilà, quoi. Hein, c'est bon. Bien gentil, Mai, mais... Reste à la cuisine, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Vegeta, ok, bon. Au moins un Sparking, c'est déjà ça. Allez, combien d'étoiles déjà, Mai? Je l'ai combien d'étoiles? Oh, 13 étoiles. Encore un doublon, elle va passer 14 étoiles. Pour la cape Z, qui augmente justement les points de vie sur une team future, c'est intéressant. Je rappelle, elle a une très bonne cape Z pour la team future. On continue. 3, 2, 1. Examinez. Yeah! Allez, c'est parti. Allez, le jeu. Allez, fais plaisir. Fais-nous plaisir, s'il te plaît. S'il te plaît. Namekofu, 3 capsules. C'est pas ouf. Namekofu, c'est bien. 3 capsules, c'est pas ouf. Il esquive. Ok. Lui, c'est bleu. Il s'agit. Ah, c'est dur. C'est dur. Donc là, il va y avoir de l'IX. Il y aura au moins un IX. Voilà, le voilà. Oh, et il est rare lui, Zarbon. C'est pas souvent que je chope Zarbon. Et d'ailleurs, son artwork, je trouve vraiment stylé.
mais c'est pas souvent que je le chope. Dites-moi vous aussi si vous chopez Zarbon. C'est très rare que je le chope. Zamas. Ok. C16. Bon, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Par contre, Zarbon, j'ai combien d'étoiles? Parce que franchement, je le vois pas souvent. Oh putain, si, quand même. 11 étoiles. C'est que ça fait très longtemps, frérot, que je t'ai pas eu, alors. Ça fait très très longtemps. Parce que là, franchement, ok, pourquoi pas. Zarbon, on prend. Panier numéro 6. 3, 2, 1. Yeah! C'est parti. Allez, palier numéro 6, fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir un petit peu le jeu. Allez. 3 capsules. Pas des CJ, 3 capsules, ça sent pas bon. La vérité, ça sent pas bon, ça. Pour l'instant, c'est pas foufou, hein, franchement, ce qu'on a eu. Hein. Après, en même temps, je vous avais dit, le taux de drop, il est pas ouf. Par contre, après, on a les tickets Sparking Guarantee. Ça, c'est intéressant. Sur le fameux step-up de Cell LF, j'attends du lourd, moi. J'attends du lourd. Tiens, bah, en parlant de Cell, le voici en première forme. J'aimerais bien te revoir en perfect. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Allez, let's go. Yam Shasan. Goku. Paikwan. Ok, c'est pas... C'est éclaté au sol. C'est vraiment éclatax. Le dernier palier avant de passer au ticket. Le dernier palier. 3, 2, 1. Ticket. Allez. Allez, fais plaisir. Fais plaisir, fais plaisir, fais plaisir. Fais plaisir le jeu, fais plaisir. Oh, zéro capsule. Ah bah tu peux t'énerver. Oh, il y a zéro capsule, frère. Des fois, ça peut sentir fake out, les zéro capsules. Des fois, c'est fake out. Fais voir. Ok. Ça peut sentir le fake out. Ça peut sentir le fake out. Ok. Héros. 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 Là, ça sent pas le fake out, ça sent la merde, là. Là, c'est... Ah ouais, là, c'est... Mais bah heureusement qu'il y a les 600 multi-PZ pour LF. Hein. Oh ah ouais, c'était compliqué, là. Ah ouais, là, c'était vraiment très, très compliqué. Hein. Oh, la vache. Bon, au moins, on a fait le plein de PZ pour la box. Ça, c'est une bonne chose. Donc, voilà. Par exemple, pour les joueurs qui sont free-to-play, vous pouvez faire le plein de PZ. Bien évidemment, ce step-up sert surtout pour les PZ. Le reste, c'est du bonus, tu vois. Après... Voilà, si vous êtes free to play, encore une fois, et que vous n'avez pas beaucoup de cristaux, bah honnêtement, gardez pour le Legend Festival. Je te dis une bêtise. T'as 5-6 000 cristaux, garde pour le Legend Festival. T'as 20 000 cristaux en free to play parce que tu économises depuis un petit moment, ouais, mets 3 000 cristaux, tu vas faire le plein de PZ, tu seras à 17 000, tu vas continuer à farm jusqu'au 23 novembre, tu seras plutôt bien. Mais sinon, si t'en as pas beaucoup, te mets pas en difficulté parce que le Legend Festival, je te dis une bêtise, s'il y a Migaté Maîtrisé qui débarque, mon garçon, tu vas le vouloir et tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait à aller invoquer sur le fameux step-up PZ. Voilà, sur le fameux step-up de PZ. Bon, bref, allez, let's go. 3, 2, 1, yeah! Allez, si on pourrait avoir un petit Sparking là, pourquoi pas un petit doublon de Goku Piccolo, je prends une capsule. Ouais, bon, bah là, voilà, héros, très bien, héros, Krillin. Krillin, Krillin, deuxième, fais plaisir le jeu, fais un petit peu plaisir, un petit peu, un petit peu. Là, là, tu fais pas plaisir du tout, là. Là, la vérité, là, tu fais tout l'inverse de ce que je te dis. Le jeu, il fait tout l'inverse, héros. C'est 19, ok, bon, t'en avais rien à tirer, en fait, de mes deux tickets. Il m'a dit, tu les prends, tu te torches avec et tu fous. Ok, bon, maintenant, par contre, là, là, on passe aux choses sérieuses. Là, les frérots... Je finis de rigoler. On passe aux choses sérieuses. Là, c'est 6 tickets Sparking Guarantee. Dont, comme j'ai pu vous le dire, 5% de chance d'obtenir Cell LF. Cell. On l'a déjà chopé en live sur ma chaîne Twitch pendant le Téléthon Gaming. Ça, ça fait plaisir. J'aimerais bien en revoir. J'aimerais bien en revoir. Et je pense que on est sans doute sur les dernières invocations de ma chaîne avant la grosse célébration du Legends Festival. Je vous le rappelle. Mardi 23 novembre, 5h du matin, en live sur ma chaîne, les frérots, on ira voir tous ensemble de quel perso il s'agit. Allez, 3, 2, 1, yeah! Allez, s'il te plaît, donne-nous du LF, donne-nous du LF, donne-nous du LF. Allez, fais plaisir. Les montagnes, 5 capsules, les montagnes, SSJ. Les montagnes, SSJ. Bah, la crue! Oh! Oh! Oh!
C'est sel, ça. C'est sel. Je vais avoir un doublon de sel. Oh, bordel. C'est ça qu'on veut voir. Voilà, là on est bien là. Voilà, là on est bien. Voilà, je vous l'ai dit, doublon sur sel. Et bon, là, le doublon sur sel. Oh là là, badak, badak, badaklu. Ça c'est, oh là là, voilà les frères. Max de pouce bleu, max de pouce bleu. C'est ça qu'on voulait voir, du doublon sur sel. Après, si tu peux encore m'en donner, je prends. Si tu peux encore m'en donner, je prends. J'ai encore 5 tickets. La vérité, tu peux encore me donner, je prends. Avec grand plaisir. Il est trop fort, le sel. Vraiment, moi, je vous le dis. Il est trop fort. Plus tu recharges ton ki avec sa double jauge, là. Incroyable. Allez, 3, 2, 1. Yeah ! Allez, c'est parti. Bon, ça, ça fait plaisir. Le petit badaklu qui est arrivé. Le père de Goku, là. Oh, longue connexion. 5 capsules, la mec en feu. SSJ. Elle est montagne. Jamais elles déçoivent, les montagnes. Chaque fois que j'invoque sur les montagnes, franchement, c'est ouf. Et Badak, ça fait très longtemps que je l'avais pas vu. Hein. Il prend le dessus. Badak, ça fait très longtemps que je l'avais pas vu. Hein. Il s'est bien réveillé, le petit. Le petit Badak. Ok. Alors toi, par contre, toi, j'étais déjà 14 étoiles, je crois. Le lapin crétin, tu peux retourner à la cuisine. Voilà, j'ai déjà 14 étoiles. Bon, c'est pas grave. Une erreur de parcours. Ça arrive, on dirait que ça arrive. 3, 2, 1. Yeah ! Allez ! Ah, ça fait plaisir là. Le petit sel qui passe 3 étoiles, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait moins plaisir. J'aime bien quand on est dans les montagnes, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Là, on n'est pas. On n'est pas dans les montagnes là. Namek, c'est la Hesse, tu vois. Namek, c'est les montagnes de la Hesse. C'est des montagnes, mais de la Hesse, c'est pas. C'est pas le ciel bleu, tu vois, éclatant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On n'est pas dans les Pyrénées. Là, on est dans la Hesse. C'est les montagnes de la Hesse. Ouais, c'est Thalès. Montagne de la Hesse pour Thalès. Tu vois ce que je veux dire? Oh, du coup, il passe 14. 14 étoiles. Bon, je prends. En vérité, franchement, c'est bien. Je prends parce que la cape Z à 14 étoiles, 32% de l'attaque d'énergie de base des sagas des films et 26% de l'attaque physique de base des classes ennemis puissants. C'est loin d'être dégueu, quand même, ça cap Z, incroyable. Franchement, c'est très loin d'être dégueu. Allez, let's go, on continue. On va prendre, on va continuer. 3 tickets pour rentrer encore dans la légende. Déjà, on a eu un LF, dont le personnage star, Cell LF, ça fait vraiment plaisir. On continue. 3, 2, 1. Yeah ! Allez ! Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, le jeu. Ah ouais, là, c'est là, c'est pire que la Hesse, là. Ah là, c'est la dèche, frère. Là, c'est. Il y a 0 capsule. Oh là, j'ai l'impression que je vois des Namek qui sont. Ils sont éclatés au sol. Ils sont décédés, frère. Ouais, franchement, j'ai l'impression que là, c'est la Hesse de la Hesse. Ah ouais, fait KO carrément. Oh, mais finalement, c'est pas mal. La vérité, fait K.O.T. sur Piccolo Daimao Transfo, je prends. Ah là, franchement, c'est bien. En vérité, c'est même très très bien. Excellente unité, 12 étoiles, le Daimao Transfo. Bah, donne-moi plus d'effets K.O.T. comme ça, lui. Tu m'en donnes, je suis content. Ah, mais bah, y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Tu me donnes, je suis content. 3, 2, 1. Et que j'en ai. Allez, c'est parti. Fais plaisir. Les montagnes. Non. Une capsule, frère, il s'est perdu. Il s'est perdu avec sa capsule. Il s'est perdu, frérot. Oh là, il se fait déboîtax. Oh là 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 là. Exa. Allez. Ça va être encore un fake out. Bah, donne-moi le même fake out, je prends. Donne-moi le même. Allez. Daimao encore. C'est 18. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Allez, combien d'étoiles déjà? Ouais, j'ai 7 étoiles. Ouais, ok. Bon, pourquoi pas. C'est 18, pourquoi pas. Elle est pas dégueulasse, tu vois. Ok. Dernier ticket, les frérots. Max de pouces bleus, s'il vous plaît, sur cette vidéo. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. On y va. 3, 2, 1. Yeah ! Un petit élève pour finir en beauté encore. Bon, déjà qu'on a eu le sel, on est peut-être un peu gourmand, mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais. L'espace. SSJ. Broly.
Broly. Broly ou pas? Broly ou pas? Broly. Yare. Let's go. Non. Pas de Broly. Est-ce qu'on peut avoir un LF? Est-ce qu'on peut avoir un LF? Un LF. Fais plaisir, fais plaisir, fais plaisir le jeu. Sel, bon, on va prendre. On va prendre. C'est pas le bon sel, mais on va pas se plaindre, les frères. On a eu l'autre sel qui est passé du coup à 3 étoiles. Bon, j'ai envie de te dire que je suis pas vraiment à plaindre. Franchement, on n'est pas vraiment à plaindre dans l'histoire. C'est franchement pas mal. Attendez, hop, voilà, on va faire ça. Ça, on va mettre les personnages Legends Limited. Voilà, le sel. Pa, 3 étoiles. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour dans la description justement de cette vidéo, à bombarder de petits pouces bleus. N'hésitez pas également à mettre un commentaire. J'essaierai de répondre à tout le monde. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super. Non. Yeah.